Le Haut Conseil des collectivités territoriales est dans l'architecture actuelle des institutions en est une. Et c'est la raison pour laquelle, dès ma prise de fonction, j'ai fait une visite de courtoisie à votre présidente qui m'a reçu avec amabilité, qui m'a reçu avec beaucoup d'égard et qui m'a reçu surtout avec beaucoup de déférence républicaine. J'ai apprécié et surtout de la générosité institutionnelle parce que j'ai reçu l'ensemble de vos travaux avec une séance tellement pédagogique que j'ai davantage compris que le fruit de vos réflexions ne pouvait qu'être scientifiquement assis quand j'ai vu la composition et les auteurs des personnalités que vous faites intervenir. Je voudrais vous en féliciter pour cela. Et donc, rappeler que un terme que j'aime bien dire, que nous avons la conviction que la force des institutions ne réside pas forcément dans le biceps de ceux qui l'incarnent, mais c'est dans la capacité de vous et nous, chacun en ce qui le concerne, à faire preuve de rétention de sa force bicepsuelle pour donner corps à la force des institutions. Surtout quand on sait qu'on peut éviter de donner des coups irréguliers. Cela me paraît extrêmement important. Et je suis venu pour m'incliner devant votre institution et me porter fort d'amener les plaidoyers que vous avez faits, surtout un document bien élaboré, mais qui peut inspirer et qui peut être un bel outil d'aide à la décision. Et je demanderai à la présidence, naturellement, expérimentée qu'elle est, peut-être de me l'envoyer à charge, comme je le fais avec l'Assemblée nationale, de le transmettre. S'il y a des questions concernant les ministres de façon sectorielle, mais d'en faire une communication et certainement vous revenir.